Ok, donc on va quand même implémenter du gameplay, donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin de la vidéo, parce qu'il y a un petit cheater, donc je me suis dit, bon, je vais pas juste vous sortir, j'avais vraiment envie de sortir ça, donc je me suis dit, bon, on va pas juste sortir la partie où on voit le mec cheater, donc alors là, je suis pas sur mon PC habituel, donc bon, il y a du gros freeze, je suis obligé de faire charger la map, et dès que la map est chargée, après ça va, donc c'est pour ça que là, je fais des tours en rond, vous voyez que j'ai que 6 ou 7 chunks, donc voilà, c'est pour ça, et je commence à savoir jouer mon kit maintenant, voilà. Pour tout vous dire, et Smash Bros est sorti il n'y a pas très longtemps, donc c'est quand même assez cool. Donc voilà, alors mon allié est déjà mort. Ok, ouais, nickel. Voilà, mon allié est déjà mort, j'ai récupéré tous mes FPS. On est content, et là ça devrait être une bonne game. Donc ça, on est content, notre allié est un peu nul, on va faire du 2v1, ça va être assez marrant. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure, hein. Genre je fais du 2v1, le mec, déjà je commençais à le voir un peu fly, de toute façon vous verrez ça à la fin de la vidéo, et d'un coup je le vois, je lui dis ouais, je filme, il fait ok, je m'en bats les couilles que tu filmes, ah d'accord, bon bah si tu veux, ça je l'ai oublié de le montrer dans la vidéo. Ah, mon allié a carrément leave, très bien, du 2v1, oh bah ça c'est nickel, ça j'aime bien jouer en 2v2 parce que souvent mes alliés sont un peu nuls, et après j'aime bien parce que je déboîte les autres. De temps en temps, parfois je perds aussi, hein, bien sûr. C'est tout à fait logique. Après, j'ai un meilleur kit qu'eux, normalement. Après, ils sont quand même deux, hein, donc faut pas. Ok, l'autre il m'a fait flipper. Je crois qu'il a claqué un ulti. Ouais, il a claqué son ult. Hein. Bah, c'est un peu nul hein, le kit qui joue. Oh putain, ça lag là ou quoi? Ouais, non, c'est juste les cacs qui lavent. Qui lag. Qui lavent. Oui, bien sûr. Ok, hop, et maintenant je sais jouer mon kit. En fait, je vous avais dit, ouais, il y a un passif bizarre. C'est dès que le. En gros, dès qu'il y a une sorte de zone qui s'affecte autour des gens, en fait, non, faut juste que je sneak et ça va hop expulser les gens qui sont autour de moi et moi ça me fait un jump. Ça veut dire ça me rajoute de la survie en même temps, donc c'est quand même assez cool. Ok, arrête de me taper, toi, s'il te plaît. Et hop, et voilà, en gros, ça me fait une sorte de double jump encore plus puissant. Hop, on recharge un peu notre fusil. Donc voilà, c'est quand même assez cool. On va essayer de focus l'autre là-bas parce qu'il a plus beaucoup de vie. Ok, l'autre il a claqué son ult en plus, hein, donc hop. Hop, on t'écarte un petit peu. Il a passé où lui? Oh, la zone qui est quand même assez énorme. Tac, tac, tac. On circule, on circule. Il en a encore un. Hop. Oh non, 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 non. Je suis mort. Bon, j'ai le temps de claquer l'ult, mais je suis mort. J'avais plus de vie de toute façon. Il y en a un qui a 11, un qui a 86. On en a tué un, très bien. Et il y a un 65. Bon, en tout, ils ont 3 vies. J'en ai plus que 2. Si on fait le calcul, si on additionne leur vie, etc. Après, c'est juste un Hulk. Donc, un Hulk en 1v1. Ça devrait pas trop me faire peur normalement. Ça devrait passer. Juste faire attention à pas mourir bêtement. Ok, lui il a claqué son ulti. Donc on va essayer de s'éloigner un petit peu. Hop, pendant quelques secondes. Tranquillement, putain ça dure longtemps cette merde. Ah c'est 10 secondes je pense au moins. Il faut juste que je fasse gaffe quand je claque mon C. Parce que si en fait je peux claquer mon C comme il y a un peu de latence, je vais m'envoler en l'air. Après que je me sois fait taper, en gros je vais m'envoler en l'air en arrière, donc c'est un petit peu relou. Hop, et aussi les ultis, toutes vos merdes comme ça se rechargent quand vous arrivez à toucher les gens avec vos petits trucs. Donc c'est pour ça. Hop, voilà, tac tac tac. Voilà, nickel. Donc je me suis dit on va faire une petite game quand même. Et n'hésitez pas vraiment à regarder la fin de la vidéo. C'est comme un petit cheat assez marrant. En tout cas moi j'aime bien. Hop. Voilà, le petit 2v1 comme qui fait plaisir. Moi j'aime bien quand ça se passe comme ça en tout cas. Hop, encore une munition, j'aurais dû la claquer plus tôt. Oh, on a réussi à toucher avec ça, c'est quand même assez compliqué. L'autre il a claqué son ult, bon ça va, il est assez loin de moi. On touche pas le sol au moment où il fait son ult, ce serait bien. Voilà, on a pris aucun des dommages de l'ulti. Franchement, le kit que j'ai, je l'adore. Hop, voilà. Normalement, l'autre, il est mort. Et lui, il devrait bientôt clamser. 20... Ah non, 69 HP. Non, non. C'est moi qui ai plus de vie. Lui, il en a encore. Ok, on claque nos deux munitions. On récupère la petite étoile. Hop, qui fait plaisir. Hop, et voilà. On reclaque notre ulti. Parce que de toute façon, il est tout seul. Donc, on n'a pas besoin d'attendre plus longtemps. Voilà. Là, les gens peuvent juste se cacher en dessous. Hein, et ils se prennent pas les dommages du missile. Et voilà. Donc, alors, je vous laisse avec. Le petit cheater juste après, donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. De toute façon, je dis tout ça après. Allez, à plus! Et ici, nous pouvons voir un cas de cheat très très utile en Smash Bros. Donc, je sais pas, moi j'ai trouvé ça assez marrant. Et je me suis dit, on va filmer ça. En espérant que ce monsieur se fasse ban. Ce petit enculé. Donc, on va essayer de le niquer. Vous voyez, il a plus que 10 PV. Comme il est un peu nul, bon, il va pas savoir qu'il faut juste se cacher sous des blocs. Donc voilà. C'est quand même assez marrant de déboîter un cheater.
Donc voilà, c'était une mini vidéo, je sais pas où est-ce que je l'implémenterai, mais en tout cas, je sais pas. J'ai trouvé ça assez marrant, en espérant que ce petit monsieur se fasse report, en tout cas, c'est ce qui se fera prochainement. Bah allez, allez, au revoir.